Il y a deux semaines, j'ai lancé un nouveau concept sur la chaîne parlant des références à One Piece dans d'autres œuvres et je suis super content que ça vous ait beaucoup plu. Alors si ça me plaît et que ça vous plaît, alors évidemment qu'on va partir sur une autre tournée. Mais avant ça, il faut que je vous confirme quelle était la fausse référence dans la dernière vidéo. Et faut dire que c'était pas très compliqué, la grande majorité d'entre vous l'ont trouvé. C'était bien évidemment la référence numéro 6 de Bob l'éponge. GG à celles et ceux qui l'ont trouvé. Bon, en même temps, c'était un peu simple quand même. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer cette référence à Hunter x Hunter, une œuvre que j'aime beaucoup, qui a une grande place dans mon cœur. Et je sais que c'est aussi le cas pour la grande majorité d'entre vous. Bien entendu, parmi ces 7 références, eh bien, il y en a une qui est fausse et c'est moi qui l'ai créée cette fois-ci. Et elle est plus dure que la dernière fois. Us, c'est Shiro, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va regarder ensemble 7 références à Hunter x Hunter. On commence alors avec l'anime Shokugeki no Soma. Anime rempli de références à d'autres animés et Hunter x Hunter n'y échappe pas du tout. C'est dans le tout premier OAV de l'œuvre que l'italien Takumi Aldini affronte un chef d'un petit restaurant japonais. Et au cours de la dégustation du plat de Takumi, le chef japonais aime tellement son plat que pour exprimer son bonheur, il sent que son cœur est entouré de chaînes. Vous l'aurez compris, ceci fait directement référence au Judgment Chain de Kurapika lorsqu'il affronte la brigade fantôme pour être plus fort. Une excellente référence qui est bien subtile, mais quand tu connais l'œuvre de Togashi, bah tu la captes direct et elle est trop stylée. Deuxième référence dans l'anime Seikikuso no Psainen, un anime humoristique qui est aussi rempli de références à d'autres animés, et bien entendu une œuvre aussi connue que Hunter x Hunter n'y échappe pas du tout. Dans un épisode d'Halloween, les élèves du lycée de Seiki se déguisent, et parmi eux, une personne retient notre attention. En effet, celui-ci dit appartenir à la brigade fantôme, mais je ne sais pas pourquoi ils l'ont mal traduit dans la version française, et c'est uniquement dans la version anglaise qu'on arrive à bien cerner la référence comme vous pouvez le voir à l'écran. On a aussi une autre référence où Riki, pour moi le personnage le plus drôle de l'anime, qui parle de Nen avec une balle de volée, faisant directement référence à Netero quand il avait le ballon de volée dans la montgolfière contre Gon. Très très cool comme double référence, ça passe tellement crème et c'est ça qu'on veut. Troisième référence, cette fois-ci dans My Hero Academia. En effet, c'est dans le tout premier épisode de l'anime qu'on peut apercevoir une référence à Hunter x Hunter. Le vilain des bouts se met la terreur dans les ruelles de Tokyo, et dans l'une d'entre elles, un combini nous interpelle tout particulièrement car il faisait une référence à une œuvre dont l'auteur de MHA, Horikoshi, est fan, Hunter x Hunter. En effet, à l'entrée du combini, on voit écrit Grid Island, jeu qui vient directement de Hunter x Hunter, dont Gon et Killua ont participé pour tenter d'avoir plus d'infos sur Jin, et qui représente un arc à part entière dans l'anime. Une référence super cool et classe je trouve, et surtout dans MHA, c'est pas rien. Quatrième référence dans Gintama. Il était déjà présent pour la vidéo sur les références à One Piece, mais en même temps c'est tellement bien fait et c'est bourré de références à d'autres œuvres que j'étais obligé de le prendre aussi. Dans un épisode spécial, Gintoki, le personnage principal, va participer au World Chunin Hunter Hero Examen. Un défi relayant plusieurs œuvres connues comme Naruto, My Hero Academia et évidemment Hunter x Hunter. Ça fait bordélique certes, mais ça fait aussi rire à la fois. Et dans Gintama c'est toujours comme ça, en même temps ça reflète un peu l'esprit de l'anime. Une toute petite référence mais qui est super sympa. Cinquième référence dans l'anime Sailor Moon. En effet, dans un épisode, Tsukimo Usagi est dans une salle d'arcade et on peut apercevoir derrière elle, dans une station, un jeu qui s'appelle Grid Island. Et oui, comme pour MHA juste avant, Sailor Moon fait aussi référence au fameux jeu de Hunter x Hunter, comme quoi ce jeu fait bien partie des moments phares de l'œuvre. Mais ce qui est marrant avec cette référence, c'est son lien. En effet, ces deux œuvres qui paraissent différentes sont en réalité assez proches, car l'auteur de Sailor Moon, Naoko Takeshi, est la femme de Togashi. Et justement, pour lui renvoyer l'appareil, Togashi a fait aussi une référence au manga de sa femme dans Hunter x Hunter avec Haruka qui joue avec des poupées de Sailor Moon. Une double référence bien stylée entre deux époux qui fait grave plaisir. Sixième référence dans l'anime School Life, Nisekoi. Son héroïne, Kirisaki Shitoge, est une fille très expressive et qui s'énerve assez souvent, ce qu'on appelle une tsundere dans le jargon. Alors les animateurs, pour faire une blague, ont décidé de transformer la jeune fille avec le style de Gon énervé contre Neferupito lorsqu'elle fera une crise. Et faut dire que ça rend super bien et ça colle parfaitement au personnage, GG à eux pour cette référence. Et pour finir, septième et dernière référence dans Danganronpa 3. Vous connaissez tous le moment le plus iconique de tout l'anime de Hunter x Hunter, la transformation de Gon en Gon adulte. Et bien Danganronpa s'est fait un plaisir de faire référence à cette scène. En effet, dans l'épisode 2 de la saison 3, Akane Owari furieux se transforme exactement comme Gon adulte, la même position, les mêmes cheveux qui partent vers le ciel,
tout pareil. Vraiment hyper stylée comme référence, je pense même que c'est ma préférée d'aujourd'hui et elle est parfaite pour clôturer cette liste. Alors, bonne chance pour trouver la fausse référence et dites-moi aussi quelles œuvres vous voulez que je fasse pour les prochaines fois. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner, ça me ferait grave plaisir. J'ai aussi mon Twitter et mon Instagram si vous voulez discuter avec moi ou autre, je suis tout le temps dessus. Et pour finir, j'ai aussi mon Discord avec plusieurs fans d'animé avec qui discuter et diverses animations, je vous mets tous les liens dans la description. Allez, quant à moi, je vous dis à la prochaine, c'était Shiro, ciao.